Ça? Ouais. Est-ce que c'est en train d'enregistrer? J'espère que c'est en train d'enregistrer. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait. Donc, c'est fermé. C'est horrible. Salut tout le monde. Je vous emmène, on va visiter une église aujourd'hui. C'est tuto. J'apprends à visiter une église, l'essentiel, quand on ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur d'une église. Donc pour les grands débutants. Donc, j'ai trouvé une grande débutante. Elle est avec moi derrière, c'est Cam Cam. Je m'appelle Camille, je suis étudiante. J'ai découvert Jésus il y a 3 ans. Là, je vais me faire baptiser l'année prochaine et je suis trop contente d'être là avec vous. Priez pour moi pour mon baptême et moi, je prie pour vous. Et avec moi aussi, derrière la caméra, le cateau de service. Yo, je m'appelle Victor et comme je parle de Dieu tous les jours depuis quelques années, on m'appelle le cateau de service, ce qui fait que c'est comme ça que j'ai appelé toutes mes pages sur les réseaux sociaux où je parle de Dieu. Alors, on est arrivé là, on est à Saint-Sulpice de Favier. Je suis avec Camille. Donc, c'est fermé. Pas de panique, normalement j'ai prévenu le curé, il doit être là. Donc on va aller au presbytère. Venez. C'est pas faute de l'avoir organisé, hein, pour une fois que j'organise les trucs. 5 minutes plus tard. Ah. Bonjour. Bonjour. Ah bonjour, voilà. C'était aujourd'hui. Oui, c'était aujourd'hui. Alors, bonjour. Le père Patrick, le curé du coin. C'est possible de regarder à l'intérieur? Oui, merci, père Patrick. Je suis désolé. La famille, tu travailles en même temps, tu vas faire le marché à Anthony, tu reviens. Merci. Je vous en prie, allez-y. Un grand merci, elle est magnifique. Donc, la première chose qu'il faut faire, Camille, c'est quoi? Un signe de croix. Un signe de croix, on le fait où? Là, en face. Ouais. Je crois. Ah, alors par contre, j'ai jamais pris de l'eau, moi. Il n'y a pas d'eau. On fait semblant. Il y en a. Est-ce qu'on a de l'eau? Est-ce que par hasard, vous n'avez pas une bouteille d'eau? J'ai un peu d'eau. Ouais. Je veux bien un petit peu d'eau, s'il vous plaît. J'ai jamais pris avec l'eau. Vous avez jamais pris avec l'eau? Bah, je l'ai fait une fois avec un ami, mais jamais. Là vous êtes en train de me dire que c'est la première fois que vous allez vous signer avec de l'eau. Bah oui. Ah, c'est vraiment. Donc là, on a vraiment trouvé là. Okay. Pourquoi c'est avec de l'eau? Bah parce que ça nous rappelle notre baptême. Ah, sauf que vous n'êtes pas baptisé. Bah non. Du coup, vous avez le droit de vous signer ou pas? Non, en vrai. Je suis sérieuse. Oui, vous avez le droit. Une petite génuflexion? Pas forcément. En tout cas, ce qui est bien, c'est de le faire en direction du cœur, en direction de l'autel. Oui. Donc, on le fait en direction de l'autel. Il ne faut pas aller là-bas? Bah, pas forcément. Ou bien, vous pouvez le faire directement ici, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en direction de l'autel. Ou bien, toc, et puis, mais c'est un peu bizarre, ça. Mais là, faut rester longtemps avec l'eau dans la main. Bah, faut rester longtemps avec l'eau dans la main, là, donc c'est pas très commode. Deuxième chose, c'est que on regarde, il y a quoi dans l'axe? L'autel. L'autel. Ok. L'autel, on va aller voir l'autel. Inclination, prosternation. Ah, moi, qu'est-ce que vous faites devant l'autel? Moi, avant de m'asseoir, ouais. Je fais comme ça. Ah, pas mal. Donc ça, c'est l'inclination. Donc si jamais vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, vous mettez les deux mains sur le genou. Donc, ça, c'est le grand autel. C'est là où on dit la messe. Donc devant le grand autel, on fait le signe de croix. Mais à côté, qu'est-ce qu'on essaye de regarder aussi? La lumière rouge. La lumière rouge. Donc là, il faut qu'on essaye de trouver la lumière rouge. Le premier qui trouve la lumière rouge. On n'a pas de lumière rouge. On allume une bougie, on fait semblant. On allume une bougie. Il y a une bougie rouge là. Il y a une bougie rouge. Ça se fait ou pas? Les gros truands. Non, là, il n'y a rien. Ah! Chapelle des miracles. Elle est par là. On l'a trouvée. Elle est par là. Elle va être par là. Ben voilà. Donc,
c'est un peu un signe de piste hein, quand même. Ouais. Normalement, dans une église catholique, il y a une lumière rouge allumée quelque part. Donc là, on n'arrivait pas à la trouver, mais en fait, elle était dans une chapelle latérale. Alors, c'est hyper... Expliquez-nous ce que c'est que la lumière rouge, Camille. Eh bien, la lumière rouge, c'est quand il y a le Christ dans le tabernacle. Et sous quelle forme? De pain. De pain, donc c'est le pain qu'on a pris à la messe, qu'on a consacré, c'est les hosties en fait qui restent. Et les hosties qui restent, comme c'est le corps du Christ, on les met dans ce qu'on appelle la réserve sacrée qui s'appelle le tabernacle. Est-ce que vous savez d'où ça vient le mot tabernacle? Ça veut dire la tente, c'est parce que dans la Bible il y avait la tente. Est-ce mais dans la Bible, mais il n'y a pas un endroit dans la Bible où il parle de... Là, c'est quand Moïse nous parle de la tente du désert, la tente de la rencontre. Okay. Qu'est-ce qu'on fait devant la lumière rouge? Ah non, ah non, ça s'est refusé devant la lumière rouge. Donc ça c'est devant le maître-autel. Et devant la lumière rouge, on s'agenouille. Donc ça en fait, dans une église, si jamais vous voulez prier un peu peinard, il faut regarder la lumière rouge. Et puis là, vous avez un endroit où vous pouvez prier. Donc nous, on ira prier 2 secondes. Donc est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il y a une lumière sur les réserves, d'où ça vient? Ça vient en fait du livre du Lévitique, quand il y a Dieu qui ordonne à Aaron de brûler une lampe perpétuelle. Oui, il y a toujours plein de petits trucs. Hein. On n'est jamais trop prudent. Là, vous avez ce qu'on appelle le confessionnal. Vous êtes déjà confessé? Bah non. Camille s'est jamais confessée, parce qu'elle n'est pas encore baptisée, mais on va quand même y aller. Je vous confesse. Oh non. Si. C'est pas mes PC sur YouTube. Hein. Allez-y. Oh my God. Je sais, je vois. Il y a toujours un peu de stress, hein. Allez-y. Alors là. Alors, venez par ici que je vous montre. Donc ici, toc, le confessionnal. Moi je suis à genoux. Je suis assis, c'est plus confortable. Et là, il y a Camille. Il y a Camille qui est là. Et Camille, elle est à genoux. Ah ouais. Parce qu'il ne faut pas rigoler, quoi. Camille, elle est en train de demander pardon, donc elle est à genoux. Donc, allez-y, ma fille, je vous écoute. Pardon, mon père, d'avoir péché. Exactement. Laissez-nous 2 secondes, s'il vous plaît. Tu m'as tout dit. Je sais tout. C'est horrible. Et c'était pas joli, laissez-moi vous dire. Oh. Non, ma mère, elle va pas tomber là-dessus parce qu'elle va faire « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Une crise cardiaque. Ça, je le repose. Et ça, on va le reposer parce qu'exactement, on l'avait pris tout à l'heure. Alors, allumer une bougie et prier, c'est pas magique. C'est pas parce qu'on a mis une bougie que ça exauce la prière. C'est la foi qui exauce la prière. N'empêche que la bougie est un très beau symbole de votre foi qui s'élance vers Dieu, de votre ange gardien qui continue de prier pour vous, de la communion des saints qui vous accompagne dans la prière, et puis parce que c'est joli. Très beau. C'est beau, hein ? Ouais. Ouais. Donc maintenant, on prie. Ça, c'est ce qu'on appelle la chair, comme nous l'a dit Camille. Et la chaire, c'est en gros, bah, quand on n'avait pas inventé le micro, ça servait de lieu où les gens venaient dire le sermon. Et donc, il y avait un abat-voix. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire. Salve. Et puis, ça ramenait le son vers les fidèles. Comme ça, comme même sans micro, même sans parleur, on pouvait comprendre ce que le prêtre disait pendant le sermon. Prête? Ouais. 1, 2, 3. L'amour vaincra.